c'est une période, en tout cas cette période de entre 1917, 1920, 21, où les hommes politiques juifs, les intellectuels juifs, les artistes juifs œuvrent avec les autres minorités nationales, qu'elles soient lituaniennes, lettonnes, biélorusses, ukrainiennes, allemandes, polonaises, etc., pour essayer de créer les conditions politiques des États qui acceptent le développement des minorités nationales et reconnaissent les minorités nationales. Et je pense qu'à ce moment-là, beaucoup de Juifs sont européens, se considèrent européens. Ça a redistribué les cartes d'une manière qui était inattendue, parce qu'on ne s'attendait probablement pas à la fin des empires, et donc à la disparition et à la reconstruction de certaines frontières, et donc à la reconfiguration totale des populations. Les révolutions russes, en tout cas la première révolution de février 1917, conduit à l'émancipation des Juifs. Donc, c'est le moment où les Juifs sont libérés de toutes les discriminations religieuses, ethniques, politiques. Enfin, d'ailleurs, c'est une émancipation de toutes les minorités religieuses de l'Empire. Émancipation qui a été confirmée par les bolcheviks en octobre 1917. Donc c'est un changement, une période où de tous les possibles. La culture yiddish, mais pas hébraïque, la langue yiddish, sont reconnues, sont promues. Il y a des théâtres, des publications, des instituts scientifiques qui sont créés dans cette langue yiddish. La nouvelle Pologne, la Pologne restaurée après 123 années de disparition de la carte de l'Europe, signe l'accord sur les minorités imposé par le traité de Paris, donc est obligée de reconnaître des droits particuliers aux minorités nationales. Et les Juifs ont le droit, selon la première constitution de Pologne, d'avoir leurs propres écoles et de pouvoir respecter le Shabbat. Donc ce sont les deux droits garantis aux Juifs spécifiquement. Et ils sont aussi censés pouvoir participer au gouvernement, avoir un représentant dans le gouvernement et aussi envoyer des députés au Parlement. Évidemment, cette politique très libérale, sur le papier, dans la pratique, n'est pas appliquée telle quelle, et en réalité, les écoles juives, en yiddish ou en hébreu, ne sont pas financées par l'État, sont financées par les communautés. Et petit à petit, en particulier dans les années 30, il y a beaucoup de mesures très discriminatoires qui commencent à être imposées aux populations juives.